putain, la soirée, elle était trop bien, les gars. Ouais. Ça, c'est une dinguerie en vrai. Hein. Mais gros, j'arrive jamais à pécho une meuf. Les gars, ici, c'est le labyrinthe le plus terrifiant de France, sinon on y va. Mais t'es fou, toi. Chaud de baiser. Les gars, rien que chez moi, j'ai peur, vous êtes des malades. C'est quoi? On va carrément dormir dedans cette nuit. Toi, t'es un comique, t'es youtubeur, non? Tu fais des blagues. Allez, allez, salut. Allez, on y va. Allez, viens. À tour de rôle, on va commencer avec l'intensité 1, la 2, la 3, la 4. Et le premier qui fait un petit bruit avec sa bouche, il va manger ce qu'il y a dans la cloche juste là-bas. Je vous dis pas c'est quoi, je vous laisse la surprise. En tout cas, c'est un truc. Jamais de ma putain de vie, j'ai envie de manger ça. Bah attends, pour savoir qui commence, bah toi. Moi, je commence. Intensité 1, 2, 3, 4, 5. Et on voit jusqu'à où tu peux aller. Si t'as été jusqu'à la 5 et que Timoth a été jusqu'à la 2, c'est Timoth. Ok. Qui va manger. J'ai compris. Là, c'est juste l'option bruit en mode petit chien. Il sait qu'il doit revenir. Électrocution dans 3, 2, 1. Quand je réagissais au niveau 1 et 2, c'était pour vous montrer que ça faisait un truc. Mec, t'as vu comment il parle? T'as vu comment il parle, sérieusement? Super stressé. Je crois qu'il a vraiment mal là. On va passer au niveau 5 maintenant. Niveau 6. Regarde la cloche là-bas, c'est là. Tu sais pas ce qu'il y a dedans, tu veux la manger ou pas? Niveau 7. Oh putain, j'ai pas envie de le faire, j'ai plus envie de le faire, là, c'est ma mère. On dirait un camion qui recule. Il y a un doigt de con. T'es prêt? Niveau 1, dans 3, 2, 1. Ah, ça fait un petit truc, ok. Niveau 3. Niveau 4. 6. 8. 7. 8. Ça fait rien. Je suis déçu. Bon. Niveau 2. Il va craquer, regardez, c'est le seul qui niveau va craquer. 4. Il va craquer, pitié, monte, s'il te plaît. Niveau 6. Comment ça? Non, mais si on le fout. Ok, niveau 7. Attends. Écoutez, j'ai des sueurs, j'ai des transpirations, je sais pas pourquoi, mais moi, regarde, maman. Tu la vois comme elle est humide, regarde. Regarde comme elle est toute humide. C'est vrai. Deuxième tour, cette fois-ci on a changé le mode et ouais. Il paraît qu'il est un peu plus puissant. Putain, mais tu sais que je sens plus mon avant-bras. Attention. Il croyait lancer un sort de fou. Chut, plateau, tournage. J'ai des fourmis dans tout le bras. Moi, ça me fait vraiment au premier degré stresser sur cette merde. Hein? Oui, mec, ça me fait vraiment mal, je ne rigole pas. Niveau 1. On va monter, on est qu'à deux là, quand non. Même. On est qu'à deux. Non. Mais fais un truc en plus pour moi. Non. Je transpire de fou, la tête de ma mère, j'en peux plus, les gars. Ok, là on passe à 5. Là c'est du vrai jeu. Là on passe sur le vrai game. Là on va éclairer comme ça. Lumière flash. Ah t'es mort. Mais pourquoi t'es dégoûté un peu, Anthony? Mec, j'ai envie de dire, mais je viens de le revoir. Mais en vrai, t'aurais pu un peu plus résister, non? Je lui ai déjà dit, je me suis fait racketter quand j'étais petit, coup de taser, et ça m'a terrifié. Du coup, je crois que je supporte moins la douleur de l'électricité. T'as le bolos. Non, je rigole. Je sais ce qu'il y a, c'est moi qui ai été lâcheté. Quand j'ai été lâcheté, les gars, j'ai cru que j'allais gerber ma mère. Ah ouais? À quel moment tu t'es dit, je vais acheter ça? Je me suis dit, c'est marrant, je vais rigoler celui qui va le bouffer. Je suis trop mal premier degré, les gars. Et j'ai la boule au ventre, mais moi. Ça me dégoûte, ça me. Mais... Je crois que je vais pas pouvoir le faire par contre. Vas-y, vas-y, vas-y. 3, 2, 1. C'est un cerveau. Mec, je vais vomir. Ouais. Ça me dégoûte un peu en vrai. Je suis pas bien, mec. Par contre, c'est big le cerveau dans ma main. Mec, je sais pas. Non, mais attends, d'un coup. Non, un petit bout. Oh, il a vomi. Non. laisse tomber la cloche. Prends un petit bout ici. Pour le contenu, abonnez-vous à cette chaîne, s'il vous plaît. Pourquoi il fait ça? Ferme les yeux, c'est un dessert. Ferme les yeux. On voit bien l'image ou pas? Je le ferai pas deux fois. Je le ferai pas deux fois. Mec, allez mon lapin. T'es un bâtard. En vrai, lèche-le un peu, en vrai, c'est un gâteau Haribo. Ta gueule! Allez, 3, 2, 1. Oh ouais, let's go! Allez, mon lapin! Allez, bouffe! Allez, mange! Bien joué! Ah ouais! Oh wow! Mec!
C'est bon. C'est un gâteau, connard. Il est trop dégoûté. Tu sais que quand je suis allé voir, j'ai capté direct que c'était un gâteau. J'ai dit, ben, on dirait de la gelée, il m'a fait... j'ai fait ça toute l'après-midi, j'ai super galéré. Il m'a dit, attends, j'en ai d'autres si vous voulez goûter. T'as vu l'acteur, quand même? Merci. La surprise était folle. Par contre, j'ai vraiment pas fait exprès de crier. Ah non, mais je me suis dit, en fait, s'il y en a un qui va et qui crame, c'est de nous lâcher. Eh ben, on passe tout de suite à la prochaine activité. Bon, on va jouer au Cluedo, les gars. Okay. Vous avez déjà joué au Cluedo? Jamais de la vie. Non. C'est improbable, sérieux. Mais les gars, c'est trop bien, c'est le meilleur jeu de société au monde. Ah ouais. Nous allons tirer des cartes pour attribuer les rôles, les pièces et les armes à chaque joueur. Les joueurs recevront soit le rôle de meurtrier, soit celui d'innocent. Chaque joueur sera assigné à une pièce spécifique dans la maison hantée. Une arme sera également attribuée à chacun. Si tu es innocent, tu n'as rien à faire. Et si tu es meurtrier, tu devras commettre un meurtre dans ta pièce avec l'arme qui t'a été attribuée. Et à la fin, on va devoir trouver le coupable. Clément, je te laisse commencer. Seyar, nous on met le bandeau et on l'enlève pas tant que Clément revient. Allez, bisous les gars, je reviens jamais. Garde ton bandeau, mes gars. Putain, comment je suis meurtrier? C'est une masterclass. Moi, je vais accuser Seyar. Je pense que je vais me mettre sur Seyar parce que Anto, il a adoré sur Seyar. Pièce numéro 3. Allez. Ah, bah. Essayez de boucher les oreilles quand même. Et voilà. Mec, par contre, comment c'est galère. J'y vais. Ok, j'ai mon rôle. J'y vais. C'était quoi ton rôle? Le mec, il a rien compris au jeu. Pièce numéro 1. Je suis trop content d'être dans la pièce numéro 1, c'est la plus proche. La pièce numéro 2, elle est par là-bas. Rien que d'y penser, ça m'angoisse. T'imagines, t'habites vraiment... Enfin, t'es dans une chambre comme ça, c'est horrible. Corde à sauter. Et corde à sauter. Tu fais bobo. Là, je me fais bader tout seul, là. C'est pesant, la pièce, ici, quand même. Ok, c'est bon, les gars. Oh, putain, j'ai vu que j'avais encore l'arme dans les mains. Ça fait bien peur, sa mère. Seyar, ça va être à toi. Pourquoi je stresse? Moi aussi, j'ai stressé de fou, mon cœur. Mais tu sais que même moi... C'est quoi, ce bruit? Oh, putain, merde. Oh, ce merde, j'ai rien. Se balader seul ici, mais jamais je pourrais le faire. Je dis ça, mais je le fais. Pourquoi je sens que c'est Seyar, le meurtrier? Je suis innocent et mon arme, c'est un couteau. Je dois trouver la pièce 2. J'ai trouvé la pièce 2, les gars, c'est celle-là. Non, ça fait trop peur. Il y a quelqu'un, la vie de ma mère. Du coup, là, je suis innocent. On va voir si j'ai un bon jeu d'acteur. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là! Ouh là 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 là! Qual es la fecha de hoy? Je ne sais pas pourquoi tu me parles espagnol, enculé. Arrête de me raconter n'importe quoi, t'as la... Oh! Avoue-le, c'est toi. Mais non, je te jure, c'est pas moi. Et après, j'ai vu ce monsieur, il est tout nu. Il est tout nu, il est coupé. Mais même en sachant que c'est moi l'innocent, bah, je suis cramé à des kilomètres. Et il est temps de découvrir, déjà, est-ce qu'il y a eu un mort? Et ensuite, on va commencer à analyser. Hein. Yes, numéro 1. Celui qui a été dans la pièce 2, franchement, il est fort. Hein. Le rideau de la mort. Pièce numéro 2. Donc, ça veut dire que c'est dans la pièce numéro 3. Ah, c'est là, les gars, j'ai trouvé. Oh, bah, magnifique. Oh non. Ils ont fait quoi? Non. Arrête. Non. On va le prendre, on va l'examiner dans la pièce numéro 3. Cluedo. Oui, parce que Cluedo, j'avais peur qu'on se fasse niquer. Ouais. Ah, tiens, c'est les traces de... Le corps. Autopsie. Du coup, ça s'est passé dans la pièce numéro 3. Pour moi, les gars, c'est pas avec une corde. Impossible. Bah, après, ça peut s'arracher. Hein.
Moi, j'avoue que c'est bizarre. Mais il s'est lâché, le mec. Ça se voit, c'est un mec sanguin, tu vois. Ça se voit, c'est un mec qui veut tout casser. En fait, de base, je me serais dit, c'est la corde, parce que t'as vu, on dirait qu'il a été serré comme ça. Pour moi, les gars, ça, c'est... Ah, peut-être le marteau. Non, le couteau. Le couteau sûr. Mec, couteau ou marteau. Mec, Théma, comment là, c'est coupé, bien coupé. Ça se voit, le mec qui a fait ça, il a pris grave du plaisir. Il a d'abord fait des tentatives échouées. C'est-à-dire qu'il s'est acharné. Hein. Il a l'air quand même plutôt... On dirait qu'il il connaît tout. Bah, ça fait pas grand-chose. Tu vois. Et par contre, bizarrement, couteau... C'était facile. C'est le couteau. Tu sais que moi, je suis plus partant pour le marteau que le couteau. Il ose me dire que je suis plus partant pour le marteau que le couteau avec ses traits. Regarde, je te montre ce qui me fait dire ça. Ok. C'est ses premières tentatives ici qui ont échoué. Les gars, la ligne, comme elle est bien droite. Regarde, même ici, regarde. C'est Yar avec le couteau dans la pièce 3. Là, vous vous basez sur rien. Et celui qui a eu le marteau, il doit être bien content là actuellement. La corde peut-être aussi, non? Ah, peut-être il a chauffé comme ça. Non, c'est impossible. Non, moi j'ai dormi avec la brune. Voilà. T'as une meuf, gros. Mais c'est rien. J'ai juste dormi avec elle. Écoute. Ah, il m'attrape un bourrelet, wesh. Non, mais Seigneur, il faut que tu m'aides là, parce que si c'est pas toi, change de comportement, tout de suite. Parce que sinon, je vais te voter toi. Hein. Et ça se trouve, c'est lui qui va gagner, mais parce que t'as tout fait. C'est toi, peut-être toi qui va gagner aussi, ça se trouve pas toi. Ce que je vous conseillerais tous les deux, c'est de ne pas être focus sur moi. T'es un malade, tu vas pas être violent, Il m'a léché le doigt sans un pull de la gueule. Non, mais arrête. Ok, les gars, devant vous, il y a une enveloppe avec un petit papier rose. Vous allez écrire la personne avec l'arme dans quelle pièce. Que même si c'était moi, je me serais pas autant déchaîné sur un pauvre monsieur qui a rien demandé. Allez, hop, c'est lui. Allez, à vos votes. Mettez dans l'enveloppe. Ça sert à rien de le plier. J'avoue, ça sert à rien de le plier. Vous ouvrez et vous la collez. Les gars, j'ai pas pris des enveloppes pour rien, on joue le jeu. Oula. Premier vote, Anto avec le marteau dans la pièce 3. Deuxième vote, Seigar avec le couteau dans la salle numéro 3. Dernier vote, avec le couteau dans la pièce numéro 3, Seigar. C'est quoi ça, les gars? Vous êtes prêts, les gars? On se regarde, on parle pas, on se regarde et dans 10 secondes, le coupable se lève avec son objet. Sale bâtard, c'est pas vrai. Oh putain, le bâtard, merde. Mais non, parce que c'était moi. Non. Avec le marteau. N'importe quoi. Si. Non, c'est vrai ou pas? Ouais. Non. Non, c'est faux. Quoi? Pièce 3, marteau, meurtrier. Non, c'est faux. Comment t'as fait une coupe aussi clean? En fait, le premier coup, je l'ai mis dans le crâne. Dans le crâne, ta mère, fille, c'est incroyable. Mais pourquoi, Seigneur, t'as toujours l'air coupable? Mais te fais jamais arrêter par les flics, hein, s'il y a un crime et que c'est pas toi. Hein. C'est fini pour moi. J'ai vraiment dit, Seigneur, elle a toujours l'air coupable. On va chercher les fantômes. Oh la gueule! Ça fait peur. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait peur? Mec, c'est affreux, ta gueule. Pourquoi? En fait, c'est tout écrasé. Aucune crédibilité, vraiment. Moi aussi, je vais allumer la caméra et fait styler en mode personne voit d'un coup. Oh, j'ai le masque. Oh non, ça fait peur, les gens derrière leurs écrans. En fait, non. C'est qui? C'est qui? La dernière, c'est pas moi. Mais c'est quoi? C'est qui? Y'a quelqu'un? Non, arrêtez, les gars. Attends, t'as le talkie? C'est un talkie, Walky. Pourquoi je vais devant moi déjà? Va devant Clem. Bah non, c'est qu'à la light. Voilà, même la light elle s'excite un peu. C'est qui? Fiche-toi! C'est qui? La vie de ma mère, c'est toi! Mais pourquoi je l'ai fait ça? C'est toi! Mais la vénère que non! Ouais, je l'allumais, elle s'excite. Non, c'est toi ou pas? Bah non. C'est toi. Pourquoi t'es tout content là? Là, c'est vraiment. Pourquoi t'es tout content là? Wendy, c'est vraiment. Par contre, la vie de ma mère, je me sens pas bien du tout. Non, tu rigoles. J'ai des frissons de malade et ça passe au orange des fois. Hein. Je rigole pas, la vie de ma mère. Oh. Je te jure, j'ai des frissons de fou. Mais moi aussi, frérot. Je te jure que j'ai des vrais frissons de malade. Mais pourquoi ça s'excite? On va récupérer le talkie walkie. Non, les gars, je peux plus sortir d'ici là. Ah ouais? Je suis pas bien, je déteste ça. Non, viens, moi je vais sortir. Y'a pas quelqu'un dedans là? Non. Tiens, c'est ta vidéo. Pardon, mais c'est vrai. Fils de pute! On est passé par là tout à l'heure. C'est vraiment... Qui a fait ça? T'as
putain, la vie de ma mère, cours, cours. J'ai la vie de ma mère. Oh, arrête. Je sais pas, frère. Mais Seyar va te faire foutre. Seyar, cours pas, s'il te plaît. Attendez, les gars, j'ai besoin de me poser là. Je suis pas bien du tout. Je sais pas ce que j'ai là. 69. Tu me tues. Mais ouais, mes frères, ça va. Seyar, viens, reste là. Seyar, il y a la caméra. Non, me lâche pas, s'il te plaît. Mec, t'as mon BPM. 80. Seyar. Regarde, là, il y a un cul-de-sac. Faut aller là. Et va te faire un cul. J'étais là. C'est pas bien, il était là. Mais non, mais allez, on s'en fout. Mais allez. J'suis pas bien. Attends, mais j'arrive même pas à déverrouiller ma montre. T'as juste à faire ça. Je sais pas, je l'utilise jamais. Eh mais c'est hier, va te faire en fait. Oh, j'ai oublié. Fils de p***a, je suis... Il fait moins le malin, là. Ça dit quoi, le détecteur des fantômes, là? Bah, pour l'instant, tout est vert, tout est green. Oh, ouah, ça par contre, les gars, ici, peut-être qu'il peut avoir un fantôme. Qu'est-ce que tu fais? Et c'est lui, il me fait peur, mec. Bon, ouais, on n'a pas trouvé de fantôme ici, il n'y a aucun fantôme, il n'y a rien. Ok, let's go. On va monter la tente ici. Ah, tu la prends. Oui, elle a explosé. Par contre, horrible, vraiment. Ça a pété, quoi. 5h05. Sauf qu'on doit quitter les lieux à 6h, il y a la femme de ménage. On dort 40 minutes, quoi. Max. T'as vu, on est bien, on va dans la tente. Tu te sens protégé. Là, on est plutôt bien, on est entre amis, tout va bien, tout est cool. Et là, c'est la mort. Ouais, mais les gars, avec la musique, c'est horrible. Aujourd'hui, on dort dans The Dark Dream. Franchement, c'est toi qui me fais le plus peur. Moi? Ouais. Bonne nuit. Bonne sieste, hein, parce que... Ouais, bonne sieste. Vous avez bien dormi? La sieste, c'était une mauvaise idée. Lui, il a j'avais pas dormi. J'avais dit quoi? J'avais dit que la sieste, c'était une mauvaise raison. Idée. Bon, merci d'avoir suivi la vidéo. Encore merci à The Dark Dream de nous avoir invités pour dormir. La musique pendant la nuit, plus jamais. Quand t'es parti, j'ai eu très peur, je sais pas pourquoi d'un coup. Moi, j'étais bien, j'avais ça. Et oubliez pas, la prochaine fois, dites-nous où on dort. Voilà. Les amis, les pouces bleus, les abonnements. Allez, c'est ciao. Bisous. Bisous.